Bonjour à tous, Gwenaëlle Saint-Genest. Comme le disait Jean-Michel, j'ai eu une petite période un peu geek, mais sinon, les systèmes informatiques et électroniques sont le cœur de mon activité. Aujourd'hui, je travaille sur des aspects plutôt électroniques. Donc pour moi, l'informatique, c'est un moyen, c'est quelque chose en plus. J'interviens généralement sur ce que l'on ne voit pas. Donc dans la partie objet connecté, je suis moins objet et plus connecté. Voilà, donc on va faire un petit peu un tour d'horizon des uns des autres, et puis après, on lancera le sujet en lui-même pour essayer de dégrossir un petit peu tout ce qui peut se cacher derrière soit les termes objet connecté, soit Internet des objets, soit IoT, selon comment vous voulez les appeler, qui cache ou qui annonce de belles réalités déjà aujourd'hui dans notre quotidien et qui annonce également de belles choses à venir. Donc je passe la parole à Valentin Gauffre de 42 Factory qui va présenter une approche un petit peu plus haut niveau de ce monde. Bonjour à tous. Moi, je suis de formation designer et chez 42, en fait, on conçoit, on crée, on développe des objets connectés, généralement en partant d'un usage. C'est vrai que c'est bien que je sois au milieu de plus de personnes techniques. On part de l'usage et on apporte en fait les technologies qui permettent de réaliser l'objet de A à Z. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui un petit peu les plus à même d'apporter des solutions à des problématiques, notamment dans le milieu de l'industrie. Voilà. Objet connecté de A à Z. Bonjour, Eric Papet, je suis cofondateur d'une petite SS2I au Pays Basque. Donc notre cœur de métier est plutôt dans le développement logiciel, donc c'est l'inverse. Nous, on part du logiciel pour aller vers les objets connectés. Pourquoi ce besoin? On a attaqué des projets sur des domaines big data et on s'est aperçu effectivement que on pouvait amener de la donnée à ces projets Big Data et on a sauté sur l'opportunité d'une aide que nous apportait la région Aquitaine pour commencer à passer le pas, c'est-à-dire de passer du développement logiciel à du développement un peu plus embarqué et vers des objets connectés. Et on a un projet sur le maintien de personnes à domicile, donc sur la remontée. Comment dire, de constante, température, lumière, présence, luminosité, voilà, pour des personnes, pour des seniors la plupart du temps qui restent à domicile. Voilà, donc on a une approche plus technique, effectivement, des objets connectés. Moi, il y a l'usage, l'usage, bien sûr, on est obligé d'en tenir compte, mais nous, on est plus venu par un besoin de trouver de nouveaux secteurs pour l'entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui, l'une des grandes difficultés avec ce thème ou ce sujet des objets connectés ou de l'Internet des objets, c'est déjà de le définir, de quoi on parle. C'est-à-dire, quand on dit objet connecté, par exemple, tout à l'heure, quand Jean-Michel est arrivé, on a regardé le micro et on s'est demandé est-ce que le micro, c'est un objet connecté? On a un objet technologique qui communique avec une base quelque part. Est-ce que c'est un objet connecté? De même, tout à l'heure en off, quand on a un petit peu échangé pour préparer, on s'est demandé est-ce que la télévision c'est un objet connecté? Donc, derrière ce terme objet connecté, se cache plein de choses et j'aurais tendance à penser ou à dire il y a autant de définitions d'objets connectés qu'il peut y avoir de personnes à tenter d'apporter une définition. Donc, ça couvre un certain nombre de domaines qui peuvent venir soit du milieu des makers, et ça je pense que mes collègues en parleront également, soit du milieu de l'industrie qui a cherché à rendre plus communicant parce que des moyens techniques le permettaient ou parce que des usages étaient en train de se constituer, des équipements déjà existants. Donc l'une des premières problématiques quand on parle d'objet connecté, c'est de définir qu'est-ce que c'est. Comme on a un créneau qui est un petit peu court, on va avoir peu de temps pour en parler, on va se focaliser sur des usages. On va essayer d'aborder ça sur l'aspect plutôt utilisateur et plutôt utilisateur orienté entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'objets connectés, on y voit, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, généralement des gadgets. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec tous les périphériques à la maison qui vont d'une façon ou d'une autre remonter des informations. Est-ce que ce sont des gadgets? Est-ce que ce sont des choses réellement utiles? C'est une question ouverte, éventuellement, vous pourrez réagir, on pourra en parler ensemble. Mais vis-à-vis du monde de l'entreprise,
Le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre de l'information, ça permet de créer ou d'apporter de nouveaux usages. Et donc, pour la suite de cette conférence, on va essayer de voir un petit peu quels sont des cas d'usage orientés entreprise des objets connectés, pour essayer après de voir voilà, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire ou qu'est-ce que ça peut vraiment devenir à l'avenir. Donc je vais laisser la main à Valentin, qui lui pour le coup a des cas concrets et récents d'utilisation de bout en bout, de création de nouveaux objets, qui va pouvoir vous présenter un petit peu des cas d'utilisation, et puis Eric enchaînera sur de la convergence plus techno vers l'objet connecté. C'est vrai que objet connecté, c'est un mot un peu passe-partout aujourd'hui, et nous la définition qui se rapproche le plus, c'est plus objet intelligent, c'est-à-dire que un micro, voilà, c'est un objet un peu bête, connecté certes, mais bête. Et dans les exemples justement de l'objet connecté à son plus bas niveau, on a par exemple l'exemple des conteneurs de transport. Alors c'est tous les ans maintenant, il y a des millions, voire des milliards de tonnes de conteneurs qui sont transportés de différents grands ports à l'échelle internationale. Et il y a aussi des millions de conteneurs qui disparaissent des paquebots sur chaque transport. Donc ça représente des pertes énormes pour chacun à la fois des armateurs et aussi voilà, si vous commandez 250 000 exemplaires de quelque chose en Chine et que vous les perdez dans le transport, vous avez perdu un mois plus la cargaison. Donc ça représente un challenge relativement important. Et ce qui s'est fait justement en termes d'exemple d'objets connectés industriels, c'était de dire jusqu'à quel point on peut équiper un conteneur avec par exemple une balise GPS qui soit suffisamment intelligente pour détecter les changements par exemple de température et envoyer une alerte. Voire même être capable de se mettre en mode voilà, je suis perdu, on envoie un secours pour récupérer le conteneur, donc géolocalisé moi à ce moment-là. Donc il y a des problématiques après de gestion de batterie, surtout de réseau. Donc sur ce projet-là en particulier, c'est pour ne pas les nommer, Sigfox qui a commencé à dire voilà, aujourd'hui on déploie des antennes sur le sol, ça peut être intéressant dans ce cadre-là de déployer des antennes aussi en mer et donc de permettre de suivre ces conteneurs. Donc ça, c'est une application purement industrielle de ce que c'est qu'un objet connecté, au-delà de juste dire quand je cours, où est-ce que je vais. Là, on part sur une gestion de logistique, de d'économie aussi à grande échelle, en fait. Donc ça, c'est un des exemples emblématiques de ce que peut être un objet connecté dans le milieu industriel. Pour reprendre sur les conteneurs, on a participé à un projet il y a 2-3 ans sur des conteneurs intelligents, non pas des conteneurs pour du transport, mais des conteneurs pour les déchets. Dans les agglomérations, je crois que la loi va pas tarder, je crois qu'il y a une loi qui devait passer en 2015, où les mairies, les institutions publiques vont avoir le devoir de gérer leurs déchets, nos déchets d'ailleurs. Et donc, on a travaillé sur un conteneur poubelle intelligent, sur un conteneur qui savait quand est-ce qu'il atteignait sa limite de remplissage et qui pouvait prévenir les personnes du territoire, soit des entreprises privées pour venir chercher ces déchets. Alors l'intérêt, c'est que chaque conteneur était géolocalisé et que les personnes avaient dans leur camion une géolocalisation et avaient le trajet tout tracé tous les matins. Ils savaient, plutôt que d'aller faire tous les conteneurs poubelles ou d'attendre que le conteneur déborde et que les gens avertissent pour venir le chercher, là, il y avait une gestion, je dirais, intelligente du conteneur. Pour être plus de façon plus générale, effectivement, on parlait d'objets intelligents. On peut diviser les choses en deux parties. Ces objets intelligents sont souvent porteurs de ce qu'on appelle de sensors, donc de capteurs, qui vont remonter de l'information intelligente. Et quand on couple ces sensors à ce qu'on appelle des actionneurs, c'est-à-dire des dispositifs qui peuvent actionner des mécanismes à travers des relais électriques, ou même envoyer des alertes, donc avoir un petit algorithme qui permet de récupérer l'information ramenée par le sensor ou les sensors, et d'avoir un petit peu d'algorithmique dedans pour savoir si c'est normal, pas normal, et d'envoyer des informations. Là, je pense qu'on arrive effectivement à une définition des objets intelligents. Si après, en plus, on a un moyen de communication sans fil et que ces objets sont autonomes en termes d'alimentation,
Je pense qu'on est vraiment au niveau le plus ultime de ce qu'on peut appeler les objets connectés, les objets intelligents. Voilà. D'accord. Donc, à travers les exemples que vous avez pris, là, donc on a des usages réels et concrets de l'entreprise, alors sur des secteurs un peu spécifiques, mais on a des usages concrets. Donc ça représente de l'usage outdoor, principalement. C'est du suivi de flotte, c'est au niveau urbain. Il se trouve que l'objet connecté, étant donné que les moyens de communication sont en train d'arriver un petit peu aujourd'hui dans tous les objets, dans tout un tas d'objets de notre quotidien, qui commencent par acquérir la capacité de communiquer, puis après, alors, je suis désolé Valentin si je te fais bondir, mais et après on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de la donnée qui remonte. On se retrouve avec donc une myriade d'objets dans notre environnement qui ont la capacité de communiquer. Donc, à travers tous ces objets, on a des données qui sont produites, qui sont issues de sensors, la plupart du temps. On a des données qui sont produites, et on se retrouve avec, du coup, deux enjeux qui sont importants, c'est être capable de collecter cette donnée. Donc, ce que disait Valentin, donc il a cité l'exemple de Sigfox, mais de façon plus générale, on pourrait dire aujourd'hui, il y a une question relative aux moyens de communication. On a déjà tous entendu parler à différents niveaux du Wi-Fi, du Bluetooth. Il y a plein de systèmes, plein de médias aujourd'hui qui existent. C'est comment tous ces objets vont être en capacité de communiquer. Est-ce qu'ils vont communiquer vers un système central, est-ce qu'ils vont communiquer entre eux, comment vont être représentées les données. Donc il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui sont en train d'apparaître autour de la donnée et qui créent également par là même des problématiques sur est-ce qu'on fait des traitements locaux, est-ce qu'on remonte l'information, comment est-ce qu'on sécurise l'information ou qu'est-ce qui a besoin d'être sécurisé. Donc j'aurais envie de vous demander, et toutes ces données qui sont gérées donc au-delà de l'usage, qu'est-ce qu'on en fait pour l'entreprise ? Parce que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant techniquement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que ça crée des risques en termes de sécurité, en termes de failles, en termes de protection des données personnelles ou de la vie privée des personnes qui sont dans les entreprises ? Aujourd'hui, nous, on a plus justement le schéma inverse, c'est qu'on part d'une problématique et on se dit, OK, cette donnée-là, elle serait intéressante à capter pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Comment on va la capter ? Donc on est plus à amener les technologies après, et du coup la question de comment la capter, comment la transmettre, on se la pose dans l'objectif de résoudre un problème. Donc sur ça, la sécurité, en fait, notre raisonnement, et c'est là où le design intervient un petit peu dans la technique, tout le raisonnement il va être sur comment dimensionner les moyens qui sont technologiques et de sécurité, qui deviennent des espèces de bonnes pratiques en termes de sécurité. Et là, je laisserai parler sur ça. Comment on va dimensionner tout ça dans le but de résoudre le problème que l'entreprise se pose ? Que ce soit effectivement sur où est mon objet, combien d'actions sont faites par telle machine et autres. Donc c'est pour ça que sur ça, nous, on se pose la question d'une autre manière. Et ça résout le problème de qu'est-ce que la sécurité ? Alors sur la sécurité, nous, on est un peu plus sensible. La sécurité n'est pas liée de toute façon à l'arrivée des usages liés aux objets connectés. La sécurité sur les systèmes d'information existe depuis maintenant bien longtemps. Comment est abordée la sécurité dans les SI et comment est abordée la sécurité au niveau des objets connectés ? C'est exactement le même processus. Ce processus vient du monde des assureurs. Hein. Il faut effectuer une étude de risque. Alors l'étude de risque, qu'est-ce que c'est ? Donc une étude de risque, il existe des méthodes, c'est pas l'objet de cette table ronde, mais en gros, on va essayer de pouvoir classer ce qu'on appelle les assets, c'est-à-dire l'information qu'on manipule. Quel est l'intérêt de cette information ? Que vaut une information ? Typiquement, je ne sais pas, si on prend des informations très intimes comme des analyses médicales, elles n'ont d'importance que si elles sont raccrochées à un nom. Donc on va essayer de trouver de valoriser ces informations, de les classer en termes de confidentialité, de disponibilité, de traçabilité, d'intégrité. Et qu'est-ce qui peut, sur une chaîne de traitement, lorsque j'appelle une chaîne de traitement, si par exemple on prend un objet connecté, par exemple, sur le projet sur lequel on travaille, le temps de présence dans une pièce d'une personne à mobilité réduite
ou je sais pas, d'autres informations relevées de température d'une pièce ou de présence dans une pièce, ces informations prises toutes seules, anonymisées, c'est-à-dire non liées au nom de la maison, au nom de la personne, vont pas apporter grand-chose. Par contre, si on arrive à récupérer l'ensemble des informations, ça peut intéresser des assureurs, des commerciaux, voire même des cambrioleurs, savoir quand appeler, quand venir, quand est-ce que la personne est présente, ainsi de suite. Donc là, on va s'intéresser à quoi ? On va s'intéresser à comment est captée l'information, c'est-à-dire qu'on va essayer de tracer tous les lieux où l'information va se trouver. Alors effectivement, il y a des lieux qui vont être transitoires. Le fait que le sensor récupère la donnée de température, elle va rester dans le microcontrôleur une fraction de seconde avant qu'elle soit envoyée sur le réseau, parce qu'elle ne va pas être gardée dans le microcontrôleur. Elle va être envoyée sur un réseau de communication, que ce soit du Wi-Fi, du radiofréquence, et va arriver à un endroit où elle va être stockée avant d'être envoyée pour être traitée. Donc elle va être stockée quelque part, peut-être un peu plus longtemps que sur le microcontrôleur, sur un concentrateur, ce qu'on appelle une base, et après elle va être envoyée sur un traitement. Et ce traitement va restocker certainement l'information, la transformer. Donc là, on va s'intéresser à combien de temps elle est gardée, qui y accède, quand est-ce qu'on la supprime, est-ce qu'on peut la modifier, ainsi de suite. Donc c'est une étude quand même qui est vraiment liée à l'information qu'on manipule. Donc la sécurité n'est pas liée pour moi à l'objet connecté lui-même, mais plutôt à l'information qu'elle transporte. Et là, ça, je vous dis, il faut effectuer une étude de risque et voir ce qu'il en est de cette information, si elle perd sa confidentialité ou son intégrité ou sa disponibilité. Voilà. D'accord. Donc là de ce que l'on voit émerger, des systèmes qui sont capables de capter de l'information à travers des capteurs, qui sont capables de la stocker et de la transmettre. Dans ce que j'entends, c'est peut-être votre cas également, ça reste des systèmes très locaux. C'est-à-dire qu'un système va être capable de prendre l'information, de la traiter, de la stocker, de la transmettre. Aujourd'hui, qu'en est-il des uniformisations ? Est-ce que chaque système est et reste indépendant ? Ou est-ce qu'il commence à y avoir de la convergence ? C'est-à-dire ce que j'essayais d'entrevoir dans l'introduction, c'est est-ce qu'aujourd'hui des objets communiquent entre eux ? Est-ce qu'ils sont capables de, par exemple, dès lors qu'il y a un capteur de luminosité et de température, est-ce que chacun de ces deux capteurs vont remonter les informations de façon totalement séparée et il faut qu'il y ait un logiciel quelque part qui analyse l'information agrégée ? Ou est-ce que les capteurs entre eux vont être capables de dire on sait que la lumière est éteinte et il fait froid, la personne n'est pas là, la fenêtre est restée ouverte, il faudrait peut-être l'avertir. Enfin, qu'en est-il de l'interopérabilité des objets connectés ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent ? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent ? Et vers quoi est-ce que tout ça nous mène aujourd'hui ? Alors, sur ça, le schéma typique de recherche, c'est de dire on va faire une sorte de super capteur qui d'abord inclut tout ça, avec un humain qui va noter ce qui se passe si on étudie une pièce, par exemple, comment ça se passe. Et après, on va voir, on va essayer de détecter des patterns. Des patterns en disant voilà, si j'ai telle corrélation ou des schémas entre la température et l'humidité, dans ce cas je sais qu'il se passe telle action dans ce que j'essaie de monitorer, et de ça on peut ensuite aller pas à la hache mais retirer plus ou moins certains capteurs, et en fait on s'aperçoit assez rapidement que effectivement, et c'est là peut-être où ça revient à la sécurité, c'est que un capteur de température ça paraît un peu banal comme ça, mais si on le couple avec un capteur d'humidité, on est capable de dire voilà, la température elle vient d'augmenter légèrement, l'humidité par contre augmente énormément, donc je sais que c'est une activité humaine qui est en train de se dérouler dans la pièce. Donc ça c'est déjà la corrélation entre différents capteurs, et nous alors, en interne aussi sur des projets, on a aussi cette approche où traditionnellement, l'approche traditionnelle des techniciens, c'est de dire voilà, on va mettre une grosse balise très coûteuse à la chaîne de maintenance à un endroit qui va capter des informations. Ça a pas mal d'inconvénients parce que déjà c'est un seul point qui est monitoré, et puis c'est extrêmement coûteux. Et ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, dans les objets connectés, c'est de pouvoir dire on va peut-être avoir des données qui sont un peu moins précises, et encore que, mais par contre on va en avoir 100 000 au lieu d'un seul point de captation. Et là, les algorithmes et le traitement de la donnée rentrent en jeu. Et du coup, on est capable d'arriver à des choses qui sont beaucoup plus précises parce que, justement, on a beaucoup plus de stations.
et qui du coup apporte la donnée, et c'est là où on a de la donnée qualifiée, donc objet connecté et big data, c'est au contraire complètement main dans la main. Mais encore une fois, dans le monde industriel, on a cette approche où on a dit, au lieu de monitorer un endroit du site, on est capable de monitorer pour le même coût, un même investissement, l'ensemble du site, grâce aux objets connectés et aux algorithmes qui tournent derrière. Il y a plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est un point de vue d'architecture. On revient au vieux dilemme architecture centralisée ou architecture distribuée. L'architecture centralisée a un problème de single point of failure, comme on disait, c'est-à-dire que si effectivement on a un gros système qui a des capteurs et qui capte tout et qui décide lui-même de tout faire, effectivement, le jour où ça tombe en panne, on n'a plus d'informations. De distribuer l'intelligence sur plusieurs dispositifs, c'est un peu plus compliqué pour l'instant dans les objets connectés, parce qu'on est on est à des niveaux sur les microcontrôleurs, je pense, qui n'est pas encore suffisant pour mettre en place de gros algorithmes, je dirais, d'intelligence artificielle ou même déterministes, ça devient un peu compliqué. Par contre, sur des choses assez simples, on arrive quand même effectivement à mettre en place des architectures distribuées, c'est-à-dire qu'un microcontrôleur qui contient un capteur de température, selon le réseau de communication, si c'est un réseau, par exemple, Wi-Fi, va savoir communiquer avec le capteur qui est à côté pour lui dire que la température augmente et que là, il faut qu'il se réveille et qu'il faut qu'il aille prendre la température ou l'humidité. Donc, sur des choses simples, les objets arrivent à collaborer entre eux. Après, sur des choses un peu plus complexes, là, on rentre dans du traitement, comme on dit, du gros traitement, traitement sur toute la phase analytique, statistique, où ça demande beaucoup d'informations. Donc là, on est sur des architectures complètement différentes. Là, on a plutôt des objets connectés qui vont remonter énormément d'informations et qui vont être traités après quasiment en temps réel par des clusters énormes de machines qui vont pouvoir, comme le disait mon collègue, pas avoir des informations précises, mais pouvoir faire du profiling, du partitionnement et arriver à extraire, à retransformer cette information en une information encore plus pertinente. Et ce sont deux types d'architectures complètement différentes, effectivement. À l'heure actuelle, je vois je divise les systèmes un peu en ces deux parties-là, quoi. Des parties distribuées qui permettent d'avoir une petite intelligence, et après sur des grosses intelligences, on est plutôt sur les architectures centralisées. D'accord. Donc aujourd'hui, on se retrouve à avoir des myriades d'objets qui ont de l'intelligence locale, d'en avoir beaucoup pour éviter l'effet d'avoir un single point of failure, pour reprendre ton expression. Du coup, je reviens à une autre question, c'est si on multiplie le nombre d'objets dans notre environnement, dans notre écosystème, malgré tout, ils se partagent un média qui est unique, c'est la transmission sans fil. S'il y a un système qui communique, il empêche les autres de communiquer, ou du moins, on est quand même sur un environnement fini. C'est-à-dire que quand même on met du Wi-Fi et du Bluetooth et du N système, est-ce que l'augmentation du nombre de systèmes ne va pas aussi être un frein au développement de l'Internet des objets? C'est-à-dire que le jour où tout le monde aura chez soi 30 capteurs, est-ce qu'on ne se retrouvera pas dans le même cas que ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, dans les environnements denses, dans les environnements denses d'habitation avec le Wi-Fi? C'est, on voit 25 box de tous les voisins qui se partagent les 5-6 canaux Wi-Fi utilisables. Quand on aura 35 capteurs par maison ou par appartement qui transmettront des données, ou par bureau, est-ce que tout ça va rester utilisable? Même sur ça, pour tester le Bluetooth dans le métro parisien, un casque Bluetooth, s'il y a à peu près 10 périphériques Bluetooth concentrés au même endroit, déjà ça commence à pas mal fonctionner. Donc effectivement, derrière cette question-là, je sens l'enjeu public, santé publique aussi. Aujourd'hui, c'est peut-être plus une question technique. Il n'y a pas forcément de réseau qui soit mis à l'échelle indéfiniment. Déjà, ça, c'est la complication actuelle. Et après, sur le nombre d'ondes,
Il y a des consortiums aujourd'hui, des grands consortiums de grands constructeurs qui permettent, qui commencent à créer, alors, ou du libre aussi, heureusement, qui permettent de créer des protocoles de communication qui sont alors, inter-objets. On a aussi de plus en plus de hubs, des projets de hubs qui concentrent à un point donné des différentes technologies radiofréquences, qui sont aussi des hubs qui fonctionnent sous OpenLUCI, si je ne me trompe pas, ou OpenWRT. Donc, qui sont pas mal. Donc il y a déjà ce genre de proposition. Mais là, le problème se pose plus pour le grand public. C'est-à-dire que c'est comme un smartphone, jusqu'à quel point avoir 150 000 applications sur son téléphone, on finit par ne plus en trouver du tout, ou pas trouver celles dont on a besoin. C'est aujourd'hui plus une question de conception de... Voilà, les produits Apple sont compatibles seulement avec les produits Apple, mais Google ouvre tout à tout le monde. C'est plus un problème de conception de grands constructeurs que vraiment, aujourd'hui, pour les industriels, ce n'est pas encore un problème. Quoi. Alors, sur l'interopérabilité de communication entre les objets connectés, on est déjà dans un monde très ouvert. Quand on regarde un smartphone, déjà, il a plusieurs moyens de communication sans fil. Il a tous les moyens de communication dits téléphoniques, Edge, GSM, GPRS, tout ce qu'on veut, 3G, 4G. Il a aussi du Bluetooth, il a aussi du Wi-Fi. On peut s'en servir facilement comme passerelle de communication, c'est-à-dire que moi, je peux me connecter avec mon PC par Wi-Fi au téléphone, et lui, par son réseau GPRS, peut aller chercher les informations sur Internet et me la remonter sur mon PC. Donc les moyens de communication existent. Après, la pertinence de ces moyens de communication en termes de disponibilité, ça pose un gros problème. Moi, par exemple, j'ai des amis qui ont monté une société qui font la retransmission en live d'événements sportifs. Et donc, on travaille à partir de clés 4G. Donc, on retransmet la diffusion par des clés 4G. Et on fait des tests. Donc, on fait des tests généralement avant le match qui débute à 18h. Donc, on fait des tests vers 16h, 17h. Tout marche bien. Et arrivé à 18h, c'est marrant, le réseau GSM s'effondre. Bah, tout le monde rentre chez lui et commence à téléphoner. Donc, effectivement, il est difficile à l'heure actuelle, ou alors ça coûte très très cher, d'avoir une garantie sur les réseaux et surtout sur les bandes passantes, c'est-à-dire sur la disponibilité du taux d'information que l'on va pouvoir envoyer. Donc on a effectivement un problème encore à ce niveau-là. Même les grands concentrateurs, comme je les appelle, comme Sigfox ou LoRa, qui se servent du maillage d'ailleurs de la téléphonie mobile hein, pour transmettre leurs informations. On a fait beaucoup de progrès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peine 10 ans, arriver à avoir son collègue en ayant un téléphone sans fil, c'était compliqué. Maintenant, quand même, on a un peu on a de la connexion un peu partout. Les bandes passantes sont pas trop mauvaises. Même dans le train, on en a, même si on a des coupures. Donc, je pense que ça va s'améliorer. Après, sur la garantie de service. Ben, je pense que de toute façon, on ne va pas y couper, vu que c'est réseau, parce que c'est un problème de réseau, hein, ce n'est pas un problème lié à l'objet connecté, coûte très cher en termes d'infrastructure. Et ben, il va falloir, pour avoir une garantie de service, il va falloir payer assez cher. Donc, voilà. Donc tout ça, ça revient effectivement à ce que je disais tout à l'heure sur une analyse de risque. C'est est-ce que l'information peut attendre avant d'être envoyée, ou est-ce que c'est vraiment de l'information en temps réel, où là, il faut garantir un canal d'information. Voilà. Après, il existe des canaux privés. Hein. L'armée a le sien. Ils avaient un gros système qui marchait très bien à base d'antennes directionnelles qui s'appelait RITA. Il y a plein de dispositifs. Donc là, on tombe dans le monde du réseau. On n'est plus dans le monde de l'objet connecté. Ça travaille de pair, hein, de toute façon. Mais je pense qu'il va y avoir des grosses avancées, effectivement, en termes de réseau et de monde passant. Là, ça va être par la mise en place de maillage, hein, de maillage d'antennes. Voilà. Et sur ça, il y a aussi des technologies maintenant donc multinodales, où chaque point devient lui-même émetteur du point suivant. Donc il y a des évolutions sur ça qui vont dans ce sens-là, qui permettraient à terme de dire, voilà, si mon téléphone, lui, capte le réseau, et que le tien à 5 mètres capte moins bien, mon téléphone va retransmettre à ton téléphone. Ok. Donc là, on a vu différents aspects qui se sont orientés doucement vers la technique. On est resté sur des généralités, sur des choses techniques.
J'aurais tendance, parce que j'ai peur qu'on soit un peu pris par le temps, à vous poser une dernière question. C'est, on a vu sur des sensors, on a vu des cas, on a vu des problématiques de remontée, on a vu sur les conteneurs, on a discuté de cas d'usage réel sur les conteneurs. Mais alors maintenant, demain, dans notre quotidien, quels sont les nouveaux usages qui vont pouvoir émerger grâce à tout ça et de façon concrète en entreprise? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on va s'attendre, qui vont arriver, ou est-ce que ça va encore rester soit sur de l'application spécifique type suivi de conteneurs, soit sur de l'application qui va être enrobée dans un tout à travers des réseaux de capteurs, par exemple pour la gestion des bâtiments ou pour la gestion urbaine. Donc les usages du futur en entreprise des objets connectés, c'est quoi et qu'est-ce qu'on peut espérer prochainement? Ah si. Question piège, il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à payer pour ça. Principalement, il y a deux grandes voies d'usage du futur dans l'entreprise. Il y a, je pense, l'optimisation des process actuels. Donc, c'est vraiment des applications métiers. C'est de dire comment on peut faire les mêmes choses qu'on fait traditionnellement, mais un peu mieux, sans forcément tomber dans le flicage de par exemple, d'un opérateur sur une chaîne de production. Mais c'est-à-dire, typiquement, je suis un postier, comment est-ce que mon sac va pouvoir m'informer que j'ai pris tous mes colis à livrer dans ma course, sans que j'ai à faire demi-tour, parce que je me suis rendu compte 5 km plus loin qu'il manquait le colis de Madame Michu. Donc sur l'optimisation, il y a énormément de choses à faire avec des projets d'objets connectés, qui en plus ne sont pas forcément coûteux. On associe souvent mon industriel avec projets coûteux, mais le monde des makers a fait que les coûts ne sont plus les mêmes. Mais qui sont juste une problématique d'ouverture des grands groupes, principalement. Donc l'optimisation des process, et après, c'est aussi un peu du reporting ou de l'aide à la décision. C'est comment, en tant que chef d'entreprise, je suis capable d'avoir, par exemple, un tableau de bord qui m'informe en temps réel pas de l'efficacité, mais... Du volume de si je suis sur un chantier, du volume de bennes qui sont transitées en temps réel, du nombre de mètres de câbles qui sont amenés sur mon chantier, combien il me reste en stock, est-ce que je dois en renvoyer, des choses comme ça. Donc vraiment sur l'aide à la décision et sur l'aide à la logistique, je pense que c'est deux grandes voies dans le milieu industriel qui vont être en plein essor, en fait, qui sont en plein essor déjà. Pour reprendre ce que disait le collègue, effectivement, dans le monde industriel, on va essayer d'optimiser les process. Alors, l'optimisation de ces process va passer par des objets courants qu'on avait, qui étaient passifs, sur lesquels on va effectivement rajouter un dispositif sans fil avec un capteur, où on va lier ce capteur avec une partie de l'objet qui était passif, et on va remonter l'information. Donc ça, c'est un travail sur les usages, effectivement. Donc c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais si nous, justement, on est venus, nous qui venons plutôt du développement logiciel, l'architecture logicielle, si on est venu dans un monde qui était plutôt un monde réservé aux électroniciens, c'est d'abord parce que il y a eu une passerelle qui a été faite qui a permis aux gens qui venaient du logiciel de pouvoir s'abstraire un petit peu. Je dis un petit peu quand même, faire quelques notions d'électronique. Il ne faut pas avoir fait un bac plus 5 en électronique pour commencer à travailler sur des objets connectés à l'heure actuelle. On a une rupture dans ce monde-là. On a une rupture dans la chaîne industrielle où on voit apparaître un nouvel écosystème qui est fait par des gens comme vous, comme moi, qui ont des besoins d'optimiser déjà leur propre process à eux, hein, chez eux, savoir piloter leur VMC, leur chaudière, et puis surtout reprendre la main un petit peu sur ce qui leur appartient, sur ce qu'ils ont chez eux, et pas forcément faire appel à des systèmes fermés où ils payent des abonnements sans savoir ce qui se passe. Donc je pense que l'innovation ouverte, qu'on appelle l'innovation sur les usages, va aussi venir de là, et pas simplement que du milieu industriel. Et je pense qu'il va y avoir corrélation entre ces innovations ouvertes qui viennent plutôt de monsieur tout le monde. Et je pense qu'il y aura une passerelle vers le milieu industriel si le milieu industriel tarde à optimiser ou avoir des idées sur les usages de ces process. Je pense que ça va arriver très vite, parce que là on est à la frontière entre deux mondes, entre le monde industriel et le monde de tout le monde, et c'est en train de fusionner, je pense. Voilà. Merci. Donc,
On pourrait rentrer dans des détails ou partir sur différents sujets. Comme on est un peu contraint par le temps, du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que sur des cas réels ou sur les aspects technologiques ou enjeux économiques, vous avez des questions ou il y a certains points que vous souhaiteriez que l'on aborde ou que l'on détaille pour vous éclairer un petit peu sur les objets connectés et l'Internet des objets au sens large? Sur l'objet connecté, il y a aussi toute la partie bâtiment et gestion bâtiment, qui aujourd'hui, je pense qu'il y a un sacré marché par rapport à tous les gestionnaires de bâtiments, par rapport à ce qui est chauffage, ouverture, climatisation. Voilà. Oui, tout à fait. Dans les cas d'usage, donc là, on est dans le smart building. Parce qu'il y a dans les différents termes, il y a plein de termes de smart quelque chose qui existent. Donc ça, c'est effectivement l'un des usages qui a pas mal le vent en poupe, parce que il y a déjà des systèmes existants. C'est-à-dire que dans un bâtiment, il y a déjà des systèmes de chauffage, il y a déjà des systèmes de climatisation, il y a déjà des systèmes de télécommunication qui existent. Et en plus, il y a de nouveaux enjeux qui sont en train d'arriver à travers l'efficacité énergétique des bâtiments. Faire en sorte qu'on gère mieux le fonctionnement du bâtiment en fonction de la présence ou de l'activité des gens au sein de ce bâtiment, que ce soit dans le temps, sur une journée ou sur une semaine, ou dans l'espace, sur les différents bureaux. Par exemple, si le bâtiment est capable d'identifier qu'il y a un bureau dans lequel systématiquement le matin, la personne qui travaille là a trop chaud et ouvre la fenêtre, bah, ça vaut peut-être le coup de disposer d'un système pour réguler le chauffage, pour que ça chauffe moins cette pièce-là. Enfin, y a plein de choses qui existent. Donc effectivement, c'est un cas d'usage qui se développe. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, je me permets. Hein. Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, il y a l'Université de Paris-Créteil qui publie des papiers très régulièrement sur le smart building et qui font des choses super intéressantes. Après, effectivement, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est comment est-ce que du bâtiment va pouvoir redescendre à l'utilisateur. C'est comment le bâtiment va pouvoir renvoyer des informations à l'utilisateur sur son usage, ses pratiques, ce qu'on pourrait faire différemment. Et là, pour le coup, c'est vrai que je suis un peu trop technique pour me rendre compte des usages qui peuvent exister, enfin, les corrélations qui peut y avoir entre les moyens techniques du bâtiment et ce qui est au niveau des utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez pu voir des choses ou vous connaissez des applications. Après, il faut discerner l'habitat privé, c'est-à-dire la maison privée où là, tout à chacun est capable de déployer un système domotique chez lui. C'est contrôler ses volets, c'est de plus en plus simple. Il y a des choses justement très très bien qui fonctionnent maintenant en open source et qui sont, il ne faut plus compter 3 000 euros pour bouger sa porte de garage. Quoi. Et l'habitat, voilà, disons collectif, où là malheureusement, même encore des projets aujourd'hui, un bâtiment qui va être construit, enfin un projet de bâtiment aujourd'hui qui va prendre 5 ans à être construit, donc à Nantes, au quartier de la Création, il y a plein de choses qui se font. Il y a encore cette question de comment on va intégrer des capteurs dans ces bâtiments-là. Donc les architectes maîtrisent très très bien les réseaux d'eau, les réseaux d'énergie, mais comment on rend le building intelligent, c'est encore des questions sur lesquelles ils n'ont pas de réponse. Et c'est là où, sur l'usage pur et dur, il n'y a pas forcément que des réponses technologiques, où il y a de plus en plus de matériaux intelligents qui font qu'effectivement, ouvrir la fenêtre, si le mur est capable de réagir à la température ou à l'humidité de la présence humaine, on peut des fois automatiser et se passer de VMC ou diminuer l'énergie des VMC. Donc à la fois pareil, l'optimisation de la consommation énergétique, un point critique aujourd'hui à l'échelle de la ville. Donc comment réduire la consommation d'un bâtiment individuellement, mais aussi et de plus en plus comment on va influencer les usages des personnes de manière à ce qu'ils consomment moins et que ce soit plus économique. Et là il y a pas mal de conférences notamment sur les smart cities. Ou jusqu'à quel point les gens sont obligés encore de se rendre à un bureau avec les moyens de locomotion. Donc c'est le smart building, si on l'enlève de la ville en lui-même et d'un écosystème, il n'y a pas encore de réponse concrète sur smart building. Et en plus, c'est un tout qui est beaucoup plus grand que le building en tout seul. Sur cet aspect des usages, je ne suis pas très bien placé pour répondre. Personnellement, qu'est-ce que j'ai vu qui existait, qui pourrait être intéressant savoir. Alors, c'est plutôt une interaction entre les capteurs qui seraient posés sur la personne
et une interaction avec le bâtiment lui-même, par exemple, de savoir où se trouve une personne dans le bâtiment, de pouvoir la géolocaliser pour lui passer des appels sur le téléphone fixe, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est des applications qui existent déjà depuis maintenant un petit moment. Après, sur l'interaction entre le bâtiment et les personnes, je pense qu'il y a des usages. J'en vois pas comme ça, mais je pense qu'il peut y avoir des usages. C'est un petit peu la même chose sur les voitures. Là, en Aquitaine, ils ont un projet sur une voiture open source électrique que l'on va devoir connecter. Donc, c'est justement des designers qui travaillent sur les usages. Ça, c'est plutôt effectivement un travail lié... comment dire, à la redéfinition de l'objet bâtiment ou l'objet voiture lui-même. Et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment un travail qu'il faut donner aux designers pour l'instant, quoi. Voilà. Est-ce que cette petite précision apporte une réponse ou des éléments satisfaisants? Plus de curiosité. D'autres questions? Non. Oui. Ah non, c'est pas du tout une bêtise. Il y a effectivement des développements qui sont sur les bas débits ou plus généralement essayer d'adapter les moyens de communication à ce qu'on cherche à y faire passer. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir un capteur de température en Wi-Fi. C'est une utilisation, si technologiquement ça peut le faire, c'est une utilisation un petit peu surdimensionnée au regard du besoin. Donc comme on se retrouve à avoir des questionnements sur justement une possible saturation à venir, donc on n'a pas dit qu'il y avait aujourd'hui l'effet de saturation, mais qu'effectivement il y avait un risque potentiel lié à ça. Donc le fait de pouvoir utiliser d'autres bandes de fréquences, d'autres moyens de coder l'information, repousse un petit peu ce problème-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut exploiter mieux le spectre fréquentiel, le spectre de transmission que l'on a, et plus généralement, c'est également ce qui est fait par exemple avec Sigfox, la technologie Sigfox qui permet de faire des transmissions très longue distance, avec des faibles consommations, c'est parce que c'est sur des faibles débits, et que du coup, on peut, à moins d'énergie, être capable de reconstituer le message, être capable de reconstituer le signal. Maintenant, ça fait malgré tout que repousser le problème, parce qu'on travaille dans un milieu fini, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de fréquences qui sont utilisables au niveau grand public ou entreprise. Après, effectivement, il y a des cas spéciaux avec l'armée, avec l'aérospatiale, avec le médical. Enfin, la guerre, on l'a vu chez les opérateurs téléphoniques. Hein, déjà, chez les opérateurs téléphoniques, c'est la guerre pour avoir les bandes passantes. Ils se rachètent, ils n'arrêtent pas de se racheter sans arrêt. Donc, oui. Mais effectivement, ça n'est quelque part que repousser le problème. C'est-à-dire qu'en utilisant mieux, on va pouvoir y faire passer plus de choses. Mais vis-à-vis du risque associé à la saturation, ça n'apporte pas réellement de réponse, d'une part. Et d'autre part, ça rend aussi plus complexes les problématiques d'interopérabilité. J'ai un peu lancé la question... sur comment est-ce que des capteurs peuvent parler entre eux. Si on se retrouve à multiplier le nombre de protocoles et multiplier le nombre de fréquences qui sont utilisées sur un site ou qui sont utilisées pour une application, ça nécessite du coup d'avoir plus d'éléments concentrateurs, plus de hubs, plus de moyens techniques de centralisation qui du coup induisent soit des effets de single point of failure, soit des effets de risque de duplication de l'information relayée si on se retrouve avec deux éléments qui vont capter l'information bas débit qui veulent la renvoyer. Ça ouvre plein de questions. Donc il y a un champ des possibles qui est assez important, mais ça ouvre aussi plein d'autres questions derrière qui sont au demeurant assez intéressantes. Sur Sigfox, typiquement, c'est donc la basse fréquence, et ça a l'avantage ça a l'avantage de consommer moins de batterie. Donc pour de l'embarquer, c'est la batterie, c'est un des points cruciaux. Donc du coup, effectivement, Sigfox a cet avantage-là. Par contre, les balises qui sont en mer pour Sigfox, typiquement, c'est un concentrateur, c'est une antenne qui va communiquer en basse fréquence et elle-même, elle va être liée au satellite, par exemple. Donc elle va pousser une espèce d'énorme balise qui va pouvoir être connectée avec un panneau solaire et autres. Donc c'est chaque fréquence a ses avantages et ses inconvénients. Sigfox, typiquement, si on veut passer un flux vidéo, c'est juste impossible. Donc en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire avec nos objets connectés, il faut choisir la bonne fréquence.
que ça répond à votre question. D'autres questions ? Bon, bah écoutez, en espérant que cette présentation a apporté un petit peu d'eau au moulin des objets connectés pour vous et vous a donné envie d'intégrer plus d'objets connectés dans votre environnement, ou du moins que vous soyez plus prêt à l'avenir à voir comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter plus d'objets et plus de données à travers ces objets dans notre environnement. Donc j'espère que ça vous intéresse. Et puis, si vous avez des questions, on reste à votre disposition. On est encore par là pour un petit peu de temps. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie.